Mesdames, Messieurs, au nom de la BNB, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique. Beste dames en heren, wat is het lang geleden dat wij deze presentatie hier voor jullie konden presenteren. De coronamaatregelen hebben ons voor 2 jaar op rij verhinderd om dit jaarverslag hier fysiek te kunnen voorstellen voor het publiek. Wij zijn dus ook heel blij dat wij met deze traditie opnieuw kunnen aanknopen. Et comme vous le savez, à la banque, nous avons pour mission de mettre en toute indépendance notre expertise au service de notre pays et de contribuer ainsi au débat sur l'économie et les défis que doivent relever nos responsables politiques. Nous le faisons fréquemment tout au long de l'année, notamment au travers d'articles, d'analyses, de projections économiques. Maar de kroon op het werk van onze outreach is en blijft toch het jaarverslag. Dat hebben we vorige week vrijdag gepubliceerd. Het is opnieuw een lijvig boek geworden van 340 bladzijden vol analyses, tabellen, cijfers, kennis. Het is zoals altijd een grondige analyse van de economische evolutie in Europa, vooral in België uiteraard, van aandachtspunten voor het beleid, van welke problemen urgent zijn en hoe we ze het beste aanpakken. Nous trouvons également très important non seulement de publier notre analyse sur notre site web, mais aussi de la présenter et de l'expliquer dans les grandes villes du pays, dans les centres économiques de la Belgique. Wij vinden het belangrijk om in discussies te gaan met u allemaal en die analyses te toetsen aan de realiteit die u elke dag meemaakt. Ik denk dat dat de essentie is. Het is een vorm van accountability die we willen afleggen en die het gevolg is van onze missie. Wij trekken dus België rond om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen bereiken en wij appreciëren heel erg jullie feedback op ons jaarverslag. Cher public, 2022 a été une année particulière, marquée par une inflation et des prix de l'énergie élevés. Durant l'heure qui vient, notre gouverneur Pierre Wunsch va commenter pour vous les éléments clés de notre rapport annuel. Rassurez-vous, il ne va pas passer en revue tous les tableaux et graphiques et chiffres, il va directement aller aux conclusions. Ik wens jullie een heel boeiende presentatie toe. En beste gouverneur, aan jou graag het woord. Bienvenue à tous, welcome. Merci d'avoir affronté les éléments pour venir ici aujourd'hui. Ça a été une épreuve, certainement pour certains d'entre vous, d'avoir affronté la sécurité de la banque. Et finalement, vous êtes là, je suis là, on peut y aller. Inderdaad, 2022, wat een jaar. Zeker een jaar vol contrasten, met een oorlog in Europa, met extreem hoge inflatie en energieprijzen, maar ook een jaar van zeer gezond economisch groei, van uitzonderlijk banencreatie, meer dan 100.000 banen, van aanhoudend arbeidskracht, maar ook een jaar waarin wij de veldslag van het gas gewonnen hebben. En ik zal erop terugkomen, maar ik denk dat dat een belangrijk boodschap is, omdat wij allemaal inspanningen gedaan hebben, bijna allemaal, ja, allemaal, inspanningen gedaan hebben om minder gas te verbruiken. En het is gelukt. De chantage van Poetin is niet gelukt. En de gasprijzen zijn op het eind van het jaar fors gedaald. Het was 2022 uiteindelijk ook het jaar van een gamechanger voor het klimaat, dat bijna niemand gezien heeft en die heel weinig aandacht gekregen heeft in de media. En iedereen is zich aan het vragen, de vraag aan het stellen, oep, welke gamechanger? Je vais laisser encore un petit peu de suspense, mais je reviens dessus en fin de présentation. 2022 est aussi l'année, et peut-être l'année de plus, pour laquelle nos défis structurels restent d'actualité. Je ferai la liste tout à l'heure, mais en fait, ils n'ont pas changé, ce qui en soi n'est pas tout à fait une bonne nouvelle, puisque les défis restent essentiellement les mêmes. Les gouvernements ont été fort pris par les crises des dernières années, ont eu relativement peu de temps, peut-être peu d'énergie, peut-être peu de volonté, peut-être aussi peu de capacité à s'attaquer à ces défis structurels, auxquels se rajoute,
On l'avait retiré de la liste, mais il revient big time sur la liste, le problème de compétitivité de nos entreprises. Alors, je dois vous présenter un rapport annuel qui a déjà été abondamment commenté dans la presse. Il n'y a pas de journaliste ici, donc je peux en même temps saluer la capacité d'en faire une synthèse rapide percutante de certains hommes politiques en Belgique. Je ne suis pas sûr que le résumé que j'en ferai sera tout à fait en ligne avec celui qui a été fait par d'aucuns, mais je vais essayer de me concentrer effectivement sur l'essentiel et certains messages clés, et je me permettrai ici et là de philosopher un petit peu. Eerste slide is om te proberen een vergelijking te maken van de situatie in 2022. Meestal een gasschok, een energieschok, maar meestal in feite een gasschok die zich vertaald heeft in een elektriciteitsschok. Te vergelijken met de olieschokken van de jaren eind van de jaren 70, begin 80. En als we kijken naar de omvang van de schok en de impact op inflatie, is het relatief vergelijkbaar. Omvang van de schok, rond de 3% van het BBP. Het was enorm volatiel in 2022 aan de gasprijzen, maar allez, als we een samenvatting moeten samenvatten, rond de 3% van het BBP. Dus echt een verarming van onze economie. We hebben 3% meer moeten uitbesteden om energie te kopen in de wereld, in te voeren. Impact op inflatie, rekening houden met het feit dat die hoger lag voor de shock in de jaren 70, min of meer vergelijkbaar. En in feite in België hebben wij op een zeker moment een piek bereikt van 13% inflatie jaar op jaar. Dus wat dat betreft is het min of meer vergelijkbaar. Maar de impact op de economie en zeker op de tewerkstelling was totaal anders. Les chocs pétroliers ont en fait marqué la fin du plein emploi en Europe, d'un plein emploi qu'on a connu pendant la période de reconstruction d'après-guerre, avec un taux de chômage qui était excessivement bas, au niveau frictionnel, voire même presque en dessous, qui est passé d'à peu près 2% structurellement à un niveau de 10% ou plus. Or, le taux de chômage a continué à baisser en Europe et singulièrement en Belgique au cours de l'année 2022. Donc la réaction du marché du travail a été très différente. Je vais revenir dessus. Il y a évidemment des éléments structurels, mais c'est aussi lié à la modération salariale dont on a fait preuve en Europe et qui a même dans certains pays été, j'ose le dire, parfois même un petit peu excessive. J'y reviendrai. Alors, c'est aussi évidemment l'année de la forte reprise de l'inflation en Europe, mais aussi en Belgique. Et évidemment, on doit regarder quelles sont les causes de cette inflation, d'autant plus qu'en toute franchise, au niveau des banques centrales, on ne l'a pas vraiment vu venir. Alors on a probablement des excuses parce qu'on n'est pas des experts en géopolitique. Mais au-delà du fait qu'on ne l'a pas pu vu venir, on a cru qu'elle serait transitoire. J'y reviendrai, mais évidemment, vous le savez entre-temps, elle a été plus que transitoire. On n'est pas encore au bout du chemin en la matière. Dus duidelijk, de heel hoge inflatie van 2022 is het resultaat van een combinatie van factoren. De forse stijging van de energieprijzen, uiteraard, maar ook de verstoringen in feite van de aanvoerketens, de bottlenecks en bon français, dat we gekend hebben op het einde van 2021, begin 2022, die te maken heeft met inderdaad een heel dynamische herstel fase na de pandemie. En dan een aantal stimulerende maatregelen, meer in de VS dan in Europa, maar ook in Europa, en met budgetair beleid, begrotingsbeleid en monetair beleid die nu in andere richtingen gaan. Wij duwen op de rem en fiscaal beleid, begrotingsbeleid blijft duwen op de accelerator. Dus voilà, un contexte en matière de politique mixte qui est certainement plus compliqué que pendant la crise Covid. Alors, je l'ai dit, on a gagné la bataille du gaz, peut-être pas encore la guerre, mais la bataille du gaz. On a importé 40% de notre gaz de Russie, un gaz en plus relativement bon marché. Ce pourcentage est passé de 40% à peu près 9%, mais en fait, dans la région d'Europe dans laquelle on se trouve, en gros, on doit maintenant se passer de gaz russe. Et on est parvenu à s'en passer alors que les niveaux de stockage de gaz étaient au début de l'année historiquement bas. Donc le 57 que vous voyez là, on était en dessous même du minimum historique
en matière de niveau de stockage, parce qu'en fait, Gazprom avait déjà commencé à nous couper le gaz en 21, ce qui aurait dû allumer certains signaux d'alarme, Knipperlichten. Enfin bon, das ist nicht geschehen. And what you see in the slide, c'est que van een minimum niveau van opslag van gaz in 2020 gegaan zijn naar een maximum. Hein, donc on est revenu vers des niveaux historiquement élevés et ça se prolonge d'ailleurs en 2023. On est vraiment sur la courbe du maximum en janvier, en février, semaine après semaine. C'est documenté sur le site de Bruegel. Donc, on est parvenu à se passer de gaz russe et en même temps de passer d'une situation de déficit de stockage à une situation relativement confortable. Pour y arriver, on a à un moment donné acheté tout le gaz qu'il y avait quelque part dans le monde. S'il y avait un bateau de LNG quelque part qui pouvait être redirigé vers l'Europe, on était prêt à l'acheter à n'importe quel prix. Et en fait, ça va coûter notamment assez cher au budget allemand, parce que les Allemands ont acheté du gaz à peu près n'importe quel prix. Et on est arrivé à des niveaux de gaz tout à fait importants, 300 euros du mégawattheure, 15 fois le prix d'avant-crise, mais aussi un prix du gaz qui correspond implicitement, si on l'interprète comme une augmentation du prix du CO2, en fait, à un prix du CO2 d'à peu près 700 euros la tonne. Je vais revenir dessus, mais si on veut comparer ce prix de l'énergie au niveau de taxation qu'il faudrait sur le carbone pour arriver à des niveaux comparables, on serait à peu près à 700 euros la tonne, 7 fois plus que le niveau actuel en Europe, qui est beaucoup plus élevé que dans le reste du monde. Vous voyez qu'en fin de période, les prix du gaz ont baissé. Le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est 43 euros. On serait à peu près à un bon 2 fois plus d'avant la période de crise. Mais donc, l'essentiel de la crise du gaz est quand même maintenant derrière nous. Ça peut revenir. Mais je crois que ce qu'on a vu, la tension qu'on a vue en 2022, je crois qu'on ne la verra plus à l'avenir. Alors, qu'est-ce que ça a donné sur la croissance mondiale? Je vais aller assez vite parce qu'en fait, les chiffres de croissance au niveau mondial sont fort influencés par le moment où on a relâché les mesures sanitaires de Covid. Bijvoorbeeld, een groei van 2% in de VS, dat is veel minder dan in Europa, plus 3,4. Maar het heeft meestal te maken met het feit dat de sanitaire maatregelen in de VS vroeger geschrapt zijn geweest en dus met een heropleving die vroeger plaatsgevonden heeft. In China, in tegendeel, is 2022 nog een jaar van sanitaire maatregelen, nog een jaar van COVID met een hele lage groei voor China, van 3%, en ik denk dat het de eerste keer is in decennia dat de groei in Europa hoger lag dan in China. De hoge energieprijzen, maar opnieuw meestal gas en voor een deel olie, hebben uiteraard een zeer negatief impact gehad op onze lopende rekening. Dus lopende rekening in het kort, het verschil tussen invoer en uitvoer. Wij hadden een klein overschot in 1920 en 2021, die met een duidelijk verslechtering in 2022, met een tekort van meer dan 4%. Wij dachten dat het nu structureel was. De laatste cijfers zijn beter, positiever, maar het heeft opnieuw alles te maken met de daling van de gasprijzen. Ik kom terug op de inflatie en hier een grafiek om goed aan te tonen dat de inflatie was meestal gedreven door energieprijzen in het begin, bijna 80%, zeker in 2021, en dan steeds meer door andere elementen. Dus er is inderdaad sprake van een verspreiding van de inflatie van energie naar de rest van de economie. Die zich verder zet in 2023, met in feite nu een daling van de energieprijzen in februari en een kerninflatie die blijft stijgen. Donc on est vraiment dans une phase de transition où l'inflation énergétique maintenant, fin 2022, était déjà minoritaire et en fait début 2023 a maintenant une contribution négative à l'inflation, alors que l'inflation sous-jacente continue à augmenter. Et là, c'est tout le problème de cette inflation qu'on a d'abord perçue comme étant transitoire
Et on voit que dès qu'il y a une bonne nouvelle sur le front de l'inflation, on a directement Team Transitory qui revient et qui nous dit « Hop, il ne faut pas faire grand-chose, on va retourner à 2% %.» Alors que finalement, on est maintenant face à une inflation qui est beaucoup plus généralisée. La croissance économique s'est ralentie en 2022. Et je dois chaque fois rappeler, quand je commente les chiffres de croissance, et certainement quand ils sont très volatiles, qu'en fait, le chiffre de 2022 compare deux moyennes, la moyenne de 21 et la moyenne de 22. Alors, ça paraît un peu tautologique, mais ce n'est pas sans importance, parce que ça veut dire que la croissance qu'on a connue entre la moitié de 2021 et la fin de 2021, elle compte en partie, et en fait à moitié, pour le chiffre de croissance 22 par rapport à 21. Et donc, cette croissance de 3% en 2022, elle reflète en partie, voire même pour une part non négligeable, le dynamisme important de la fin de l'année 21. Et vous voyez qu'au courant de l'année 22, vous avez des taux de croissance à un an d'écart, on a connu un ralentissement assez important. In fact, was the growth in Q4, maar dan op kwartaalbasis 0,1. We hadden bij de NBB een lichte recessie voorzien, maar heel licht, en uiteindelijk zijn wij uitgekomen met een lichte groei. Ter herinnering, op het moment dat er sprake was van een mogelijke sluiting van de gasinvoer naar Duitsland, een sluiting van Nord Stream 1, heeft de BUBA, de Bundesbank, een analyse gemaakt, een scenario, en zo kwamen uit op een recessie in Duitsland van 6% van het BBP. Dus we zijn serener gebleven hier bij de Nationale Bank en we zijn nooit met zo'n cijfers gekomen. Wel met een lichte inflatie, uiteindelijk was de economie weerbaarder dan in onze prognose. Donc, peut-être pour repasser maintenant les chiffres 1 à 1, hein, donc croissance de la consommation privée en 2022, 4,1%. Het is zeker merkwaardig, omdat de koopkracht is in feite licht gedaald in 2022. Dus normaal gezien is er een relatief sterk verband tussen koopkracht en consumptie. En dit jaar was er sprake van een vrij belangrijke kloof tussen de twee. Het heeft alles te maken met het herstel, hein, de heropening van de economie, avec encore un effet retard sur les chiffres de l'année 2022. On a été privé de plein de choses pendant deux ans de Covid. Et donc, les gens ont réduit leur taux d'épargne. Alors, en fait, ils ne l'ont pas réduit à un niveau inférieur à celui d'avant-crise. Ça veut dire que l'épargne qui a été constituée, qui est tout à fait significative pendant la période de crise, n'a pas encore été consommée. Alors, elle a peut-être été investie, hein, dans des investissements durables, mais elle n'a pas été consommée. On est simplement revenu au taux d'épargne d'avant-crise. Donc, le taux d'épargne avait fortement augmenté pendant la période Covid. On ne pouvait pas aller au magasin, on ne pouvait pas aller au restaurant. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et donc, simplement, le retour du taux d'épargne à un niveau pré-crise a soutenu la dynamique de consommation privée. La consommation publique était très dynamique en 2021, c'est toutes les mesures de soutien, moins en 2022, mais toujours positive. Les investissements, c'est certainement un point d'attention. Dynamique en 2021, moins avec une croissance négative en 2022. C'est parfois influencé par une grosse entreprise en Belgique qui a réalisé ou pas un investissement, mais ça pourrait être aussi une première indication que la dégradation de la compétitivité des entreprises pèse sur la volonté ou la capacité des entreprises à investir. Donc, c'est certainement un point d'attention et on pourra y revenir, si vous voulez, dans les questions-réponses. Alors, en volume, la contribution de la balance commerciale a été positive, mais j'insiste, en volume. En fait, on a consommé moins de gaz et donc, même dans un environnement où la dynamique des exportations était moindre qu'en 2021, mais avec toujours des effets de relance, on a une contribution positive de la balance commerciale en volume au PIB. En prix, c'est évidemment tout à fait différent. Alors, je l'ai dit, un des grands points positifs de l'année, c'est cette très forte croissance de l'emploi, plus de 100 000 emplois. C'est un résultat unique, on n'a jamais connu une croissance de l'emploi aussi élevée. C'est de nouveau interpellant de connaître cette croissance de l'emploi dans un environnement de ralentissement économique. C'est clairement aussi structurel. Donc, on voit bien que nos modèles, tels qu'ils sont calibrés, ont tendance à sous-estimer la croissance de l'emploi d'année en année. Alors, ils s'adaptent, mais ils s'adaptent avec un certain retard.
Ce dont on parle beaucoup, et ce n'est certainement pas uniquement le cas en Belgique, c'est du fait que les entreprises ont des difficultés, qu'on a des difficultés à trouver des travailleurs, et on a en Belgique un des taux de vacances d'emploi les plus élevés d'Europe. En fait, le plus élevé de la zone euro. Les entreprises ne trouvant pas facilement des travailleurs, en cas de ralentissement, ils ont tendance à conserver leurs travailleurs. En tout cas, s'ils pensent que le ralentissement est temporaire, ils se disent « je ne vais pas me défaire de travailleurs, je vais engager tout ce que je peux engager, parce que quand ça redémarre, sinon je n'aurai pas les travailleurs dont j'ai besoin. » Et ça, ça voudrait dire que le cycle économique est moins prononcé sur le marché du travail, et ça a évidemment contribué à soutenir la demande intérieure, et donc à un moment donné, ça devient une forme de cercle vicieux, avec le risque que si le choc se prolonge, à un moment donné, les entreprises changent d'avis, se disent « non, non, en fait, ces travailleurs, je n'ai pas la capacité de les financer ou de continuer à les conserver », et alors qu'il y aurait une forte réaction. Mais on n'est pas dans ce scénario-là, puisqu'on s'attend à une relance de l'économie cette année-ci, peut-être pas très dynamique, mais un retour de la croissance. La croissance du pouvoir d'achat, ou le pouvoir d'achat, pardon, j'ai signalé à l'échelle macroéconomique une légère baisse, mais très légère. Alors, c'est évidemment pour grande partie l'effet de l'indexation des salaires, mais c'est aussi l'effet de la croissance de l'emploi, parce qu'en fait, par emploi, le pouvoir d'achat a baissé. Alors, ça peut paraître bizarre, pourquoi est-ce que le pouvoir d'achat a baissé alors qu'on a une indexation automatique des salaires? En fait, parce que cette indexation n'est pas immédiate. Et vous avez illustré, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la partie droite du graphique, les différents mécanismes d'indexation et la manière dont ils ont joué dans différents secteurs. Alors, quand l'indexation est mensuelle, vous avez pratiquement immédiatement une compensation. C'est l'indice santé, ce n'est pas l'indice général des prix. Donc, quand les prix du pétrole augmentent, c'est une compensation qui n'est pas parfaite. Mais enfin, grosso modo, pour ceux qui ont une indexation rapide, on a pratiquement une protection totale. Si vous avez une indexation une fois par an et que vous avez 10% d'inflation sur l'année, ça veut dire qu'en moyenne, sur l'année, vous avez perdu 5% de pouvoir d'achat. Et il y a effectivement 1 million de travailleurs qui ont été indexés en janvier 2023 et qui ont connu sur l'année 2022 à peu près une perte de 5% de pouvoir d'achat, mais qui l'ont récupéré début 2023. Donc, perte de pouvoir d'achat par travailleur, mais forte croissance de l'emploi, plus mesures qui ont été prises par le gouvernement, au final, en dépit d'un appauvrissement de notre économie de 3% du PIB, le poids de cet appauvrissement qui pèse sur les ménages a été très faible. Alors ça veut dire évidemment qu'il pèse sur d'autres, s'il ne pèse pas sur les ménages ou peu sur les ménages. Il y a énormément d'hétérogénéité. Rysdeutlichen Verschil tussen iemand die zich met een wagen moet verplaatsen en die een niet zo goed geïsoleerd huis heeft, in vergelijking met iemand die openbaar vervoer neemt, de trein, en die een goed geïsoleerd huis heeft met zonnepanelen. En we hebben misschien te weinig data ook om dat goed in kaart te kunnen brengen. Maar we hebben toch een poging gedaan hier om een meting te maken op basis van de inkomenkwartielen. En wat we zien is in feite, na de uitbreiding van de sociale tarief voor energie, gas en elektriciteit, is dat voor 20% van de bevolking, maar dus de grote meerderheid van de laagste inkomen, was er zelf vraag van een overcompensatie. Omdat de mensen hebben een relatief goed bescherming gekregen dankzij de uitbreiding van het sociaal tarief. Dus met een stijging van de prijs die relatief beperkt was. En daarbovenop de indexering. Maar voor de min of meer 5% of meer van de mensen met relatief laag inkomen die niet genieten van de sociaal tarief, voor al dan niet goede redenen, was er wel sprake, omdat de gemeenteinflatie hoger van een verlies van koopkracht. Pourquoi est-ce qu'on mesure une inflation plus élevée pour les bas revenus? Parce que la part de leur consommation dans l'énergie et dans les produits alimentaires est plus importante. À l'autre extrême, ce n'est pas sur le graphique, mais si vous regardez le décil supérieur de revenus, la part de l'énergie et la part de l'alimentation est plus faible, sauf pour ceux qui aiment bien aller dans les restaurants très chers, et donc vous avez là une surcompensation de l'indexation des salaires. Ceux qui perdent dans l'histoire, puisque je vous ai dit au final, il y a une légère réduction du pouvoir d'achat, c'est plutôt les classes moyennes inférieures, les classes moyennes, mais c'est aussi là que se concentrent en Belgique les prix hypothécaires, et essentiellement les prêts hypothécaires, et essentiellement des prêts hypothécaires à taux fixe. Et donc si vous étiez dans cette catégorie de revenus, mais que vous aviez contracté un emprunt hypothécaire avant la crise,
vous êtes aussi gagnant. Et je vais revenir dessus avec un exemple. Alors, qui paye ? Qui paye ? Parce qu'il y a un appauvrissement de notre économie de 3%. Qui paye pour cet appauvrissement ? Als het niet de huishoudens is, of heel beperkt, dan moet het ja, iemand anders, de overheid, de tussenkomst met de uitbreiding van het sociaal tarief en de verlaging van BTW op energie en dergelijke, maar ook, en in feite meestal op het einde van de rit, na indexering de bedrijven. En dat is uniek in Europa. Wij zijn de enige in Europa die een systeem hebben van automatische indexering. Luxemburg heeft dat met zijn... Ze hebben onmiddellijk in het begin van de crisis beslist om die niet volledig toe te passen. En dus dat wil zeggen dat chez nous, le coût de la crise, il est à un an d'écart reporté vers les entreprises. Et vous voyez ici à droite que, effectivement, comparaison 21-22, que dans une série de secteurs, on partait en 21 de niveau de marge des entreprises qui était élevé. Il s'agit ici des marges médianes qu'on calcule vraiment firme par firme. Et on voit que les marges en 2022 enfoncées ont diminué et de manière différente de secteur à secteur. J'ai dit au début de la crise que, bon, d'abord qu'on était unique en Europe avec ce système effectivement de report de l'ensemble du coût de la crise ou d'une grosse partie vers les entreprises, mais que ce n'était pas nécessairement au début de la crise, quand on croyait que c'était transitoire, que ce n'était pas nécessairement une catastrophe parce que le niveau de marge des entreprises était historiquement élevé. Vous voyez ici le niveau de marge des entreprises qui était historiquement élevé. Et donc j'avais dit à l'époque, les entreprises ont une certaine capacité à absorber le choc. Je crois que je l'avais dit de manière assez modérée. Ça a été repris abondamment par les organisations syndicales qui ont dit, même le gouverneur dit que les entreprises peuvent supporter le choc. Bon, ok, j'avais une certaine capacité, il faut monitorer, on verra. Et puis quand l'inflation s'est accélérée jusqu'à 13%, on a à un moment donné comparé des chiffres du Bureau du Plan à des chiffres de la Commission européenne, et on avait un handicap salarial qui se montait à 8,6% par rapport aux pays voisins dans les deux années 22-23. Et là, j'étais invité par les partenaires sociaux au Conseil central de l'économie, et j'ai dit aussi dans la presse, sur cette base-là, si ça continue, je crois qu'on ne pourra pas éviter un débat sur les modalités, pas sur le principe, mais sur les modalités d'indexation, un peu comme ils ont fait au Luxembourg. Puis j'ai pas eu de chance, mais tous les autres ont eu de la chance, parce que peu de temps après, les prix du gaz ont commencé à s'effondrer. Parfois, on est content d'avoir tort. Donc, compte tenu du contexte politique, je ne crois pas qu'on aura un débat sur les modalités de l'indexation dans les mois qui viennent. Effectivement, ce qui a permis de dénouer la tension, c'est essentiellement la très forte baisse des prix du gaz. Et donc, on peut espérer que cet handicap salarial, qu'on estime maintenant à peu près 5% du PIB à la pointe, puisse se résorber potentiellement relativement rapidement. Mais je reste très prudent parce que ça dépend de l'inflation en Belgique, de l'inflation dans les pays voisins et de l'indexation non automatique dans les pays voisins. C'est certainement quelque chose qu'on va devoir continuer à monitorer. Quelle a été la réaction de la politique monétaire ? Je l'ai déjà évoqué. D'abord, c'était Team Transitory en Angleterre, aux États-Unis, en Europe. Onze modellen zijn gecalibreerd op 20 jaar van lage inflatie. En in feite moeten wij onze modellen martelen om een duurzame inflatie te produceren. Mijn reactie tegen mijn collega was een beetje, waarom hebben wij een onafhankelijk centrale bank nodig, indien wij in ieder geval niks moeten doen omdat de inflatie zonder meer terug naar 2% gaat. Laat ons op vakantie gaan, ze hebben ons niet nodig. Bon, c'était une manière un petit peu ironique de le dire, mais effectivement, ma réaction, c'était de dire, on sait que des problèmes d'inflation, ça peut exister. Si nos modèles nous disent de manière presque systématique, quoi qu'on fasse, et quand je dis quoi qu'on fasse, c'était rester avec des taux d'intérêt réels négatifs, l'inflation va revenir à 2%. Honnêtement, on est probablement bien payé pour le boulot qu'on fait. Il s'est avéré qu'effectivement, le problème était plus compliqué. De inflatie is duidelijk hardnekkiger en het blijft het geval nu begin 2023 dan gedacht. Wat ook duidelijk is, is dat als er een beetje van goed nieuws is, de inflatie een beetje meer daalt, één verrassing in de goede richting, zijn de markten geneigd om heel snel tot de conclusie te komen, ah, wij gaan terug naar 2% zonder veel meer. En dan maand nadien, op, kern gaat naar omhoog, verrassing in de andere richting,
En het doet pijn voor iedereen. Donc, je crois qu'on doit simplement être très humble et qu'on doit admettre que des choses qui se produisent, ce type d'inflation qui se produisent une fois tous les 40 ans, notre capacité à les appréhender dans des modèles qui sont fondamentalement des modèles qui sont structurés autour d'un équilibre avec une tendance à revenir vers un chiffre moyen à la fin de l'horizon de la projection, nos modèles nous informent en fait très peu sur ce qui se passe. Nos modèles fonctionnent très bien quand il n'y a pas de problème et très mal quand il y a un problème, ce qui est peut-être en soi problématique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, ce qu'on va faire, c'est que c'est assez simple. Si l'inflation continue à monter ou reste élevée, et certainement l'inflation sous-jacente, on va augmenter les taux d'intérêt. Si on voit que l'inflation commence à baisser et à un rythme suffisant, on va stabiliser nos taux et puis les baisser, s'il faut les baisser, mais l'incertitude est très élevée. On a moins augmenté les taux dans les pays voisins. On a longtemps cru que, on a longtemps dit que l'Europe était très différente. Hein, toute l'histoire comme quoi l'inflation en Europe, c'est un choc d'offres. Aux États-Unis, c'est un choc de demande. C'est en fait les plans de relance successifs qui ont créé une situation de surchauffe de l'économie et que donc chez nous, c'était moins un problème qu'aux États-Unis. Alors, je ne veux pas dire ici que je l'ai vu avant tout le monde ou autre, mais j'étais toujours été un petit peu suspicieux à l'idée que un choc énergétique ne pouvait pas provoquer une inflation durable. Pourquoi ? Parce que je crois me souvenir que dans les années 70-80, quand on a eu une inflation élevée, on a eu un choc énergétique. Mais peut-être que je me trompe. Et donc cette idée que chez nous, c'est pas grave parce que c'est un choc énergétique, aux États-Unis, c'est grave parce que c'est un choc de demande, avec quand même une partie de la sphère politique au sens large en Europe qui nous dit « ne faites rien, vous savez, c'est pas grave, c'est un choc énergétique ». Au final, l'inflation, c'est le résultat de la confrontation entre l'offre et la demande. Et si vous avez un choc d'offre et que les gens ne savent pas se mettre d'accord sur qui va payer le choc, vous avez des risques d'effets de second tour, et ces effets de second tour, on les voit maintenant. Nu de rente zijn uiteraard gestegen, maar wat van belang is voor de economie is niet de nominale rente, of zijn niet de nominale rente, maar de reële rente, dus gecorrigeerd door inflatie. En in feite, als we kijken naar de reële rente, ze blijven laag. De spot reële rente zijn uiteraard heel laag, min 7%. Bon, is dat belangrijk? Zeker niet voor hypothecaire lening op 20 jaar, maar misschien ook niet enorm belangrijk voor een lening voor een typische bedrijf voor 2-3 jaar. Maar als we kijken naar de reële rente op 5 jaar, en daar verwachten de markten dat de inflatie terug naar 2% zal gaan, de inflatie, inflatie en in feite rentebeleid zouden zich stabiliseren rond de 2%, dus een reële rente van nul. Nul is meer dan de min 100, min 150 basispunt reëel van de laatste jaren, maar het blijft een relatief laag niveau van de reële rente. Et donc, je n'exclus pas que les taux d'intérêt se stabilisent à des niveaux plus élevés, ce qui aurait évidemment des conséquences, notamment pour les finances publiques. Alors, l'année 2022 a été aussi une année de correction sur les marchés obligataires et sur les marchés d'actions. En général, ça, c'est quelque chose qui ne retient pas beaucoup l'attention des économistes, parce qu'on a tendance à être fort concentré, en tout cas ceux qui s'intéressent aux problèmes de redistribution, aux revenus les plus faibles. Donc j'ai dû à un moment donné un tout petit peu modérer les propos ou l'enthousiasme de certaines personnes qui ont rédigé le rapport de la banque, où en gros le message était « bon, les bourses sont effondrées en 2022, mais c'est pas grave, c'est quand même les riches ». Enfin, c'était plus ou moins le truc. Alors, sur quoi j'ai quand même dit, attention, il y a peut-être certains indépendants ou autres qui ont des pensions moins généreuses, qui dépendent un peu du rendement des marchés financiers pour financer leurs pensions. Donc, mais voilà, je ne vais pas m'y appesantir. Correction peut-être bienvenue, d'ailleurs, sur les marchés obligataires et des actions. J'étais personnellement, je l'avais dit de manière assez claire, assez inquiet du fait que une politique de taux très bas pour longtemps allait finalement déboucher sur des risques de stabilité financière, hein, de bulle. Et on l'a vu effectivement dans les marchés crypto. Et donc, 2022, c'est aussi l'année de la correction sur les marchés crypto.
Et en la matière, on n'est peut-être pas tout à fait désolé que les choses aient été dans cette direction. Je reprends ma feuille pour... c'est effectivement... Donc, on a connu l'effondrement du stablecoin Terra USD, Marouk, de Instorting van de belangrijkste handelsplatform van crypto FTX. Op zich is dat voor ons geen slechte nieuws. It was an accident waiting to happen. En hoe vroeger, hoe beter, wat ons betreft. Les prix des maisons. Alors, on entend beaucoup de gens qui disent, et pas tout à fait à tort, que les maisons sont plus chères, voire que ça devient inabordable. De prijzen zijn uiteraard gestegen. Voor een deel, omwille of dankzij monetair beleid, hein, low for long, dus search for yield. Maar dat was voor de verhoging van de rente. Maar ook omdat de bouwmaterialen stijgen forser dan de inflatie. En dat heeft voor een deel te maken met de inspanningen die we moeten doen op niveau van isolering, hein, isolatie van onze huizen. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des prix de logement? En termes nominaux, ils ont continué à augmenter. Ils ont déjà commencé à baisser en termes réels à la fin de l'année. Et en fait, c'est à ça qu'on s'attend. Als iedereen vindt dat de woningen te duur zijn en de middelen niet heeft om te kopen, ja, dan is er een onevenwicht op de markt en moeten op een zeker moment de prijzen beginnen dalen. Het is wat wij zien, maar de daling is in reële termen nog zeer beperkt. Alors, les équipes de la banque ont fait un effort. Alors ça, c'est le type d'infographie normalement on ne voyait que dans les journaux et qu'on ne voyait jamais dans les rapports de la Banque nationale de Belgique, parce que c'était en fait relativement clair, pédagogique et lisible. Et maintenant, les gens du service des études de la banque font des infographies claires, lisibles. Et une des raisons, c'est qu'avant, on faisait les présentations au conseil de régence, c'était les membres du comité de direction qui faisaient les présentations. Quand je suis devenu gouverneur, j'ai dit, mais en fait, c'est bête, il y a des gens qui font ces études, ils comprennent beaucoup mieux ce qu'ils ont mis dans l'article que nous, qu'ils viennent faire les présentations. Ils ont tous suivi des formations en PowerPoint et ils font ça beaucoup mieux que nous. Et vous en êtes aussi les bénéficiaires. Donc, un ménage qui a acheté une maison de 250 000 euros en 2020 avec un revenu de 4 000 euros, un taux d'intérêt d'1,5% avait une charge d'emprunt de 30%. Wat gebeurt er als er een verhoging van de inflatie is, enfin, komt, en de salaris, de inkomen worden geïndexeerd? In feite is dat positief, omdat de rente op de hypothecaire-lening in België is meestal vast, dus die ligt vast. Dus de kost van de terugbetaling van de hypothecaire-lening ligt ook vast. 10% van 30%, dat is een verbetering van de koopkracht, die wij niet meten in onze meting van de koopkracht, maar in feite is dat een verbetering van de koopkracht ten koste van de banken, die een relatief lager rendement, een negatieve reële rente zullen krijgen op hypotheekreningen in de komende jaren. En dus misschien onrechtstreeks ten koste van de mensen die deposito's hebben bij de banken, waarvoor diegenen die een hypothecaire lening aangegaan zijn voor de crisis, is dat een win van rond de 3%. Et c'est aussi là que probablement une partie des classes moyennes inférieures, des jeunes ménages qui commencent, qui n'ont pas encore des revenus très très élevés, ont pu bénéficier de l'indexation dans ce contexte-là. Maintenant, quelqu'un qui veut racheter la même maison aujourd'hui, elle est plus chère en termes nominal, son revenu est indexé, mais il va payer 3% ou plus de crédit hypothécaire, et là, on voit que la charge de l'emprunt hypothécaire passe à 36%, et donc, effectivement, les gens nous disent « Ouf, c'est devenu très très cher et très difficile d'acheter une maison ». Alors, ce qui est soutenable pour les ménages, c'est plutôt 30% que 36%, on s'attend à un moment donné à ce que les prix des logements baissent, ou en tout cas augmentent beaucoup moins vite que pendant la période d'avant-crise. Alors, sur le secteur financier, je vais le faire court, parce qu'en fait, le message est, heureusement, depuis un certain nombre d'années, le même. On a un secteur financier qui est très robuste en Belgique, on a des niveaux de solvabilité et de capitaux des banques, des compagnies d'assurance et de capitalisation des banques qui sont tout à fait confortables. Alors, on y consacre beaucoup de temps, donc je ne vais pas faire justice ici à tout le travail qu'on fait au niveau de la Banque nationale pour s'assurer effectivement que le secteur financier reste robuste en Belgique. On a eu l'événement aux États-Unis des fonds de pension. Un zeker niveau van bezorgdheid in de VS en in de VK over de niet-bankaire, de shadow banking
die verschillende vormen neemt in de rest van de wereld. Maar in feite, in België is shadowbanking vrij dicht bij de bankactiviteit, de bankactiviteit. We hebben een vrij goede zicht op de activiteiten in dat verband in België. En wij zijn gerustgesteld, we hebben niet de indruk dat er grote risico's gaan gepaard met deze activiteit in België. De grote uitdagingen op het agenda, ja, die blijven meestal een copy-paste van de grote agenda van 21, van 2020, van 2019, met de terugkomst van de competitiviteit en concurrentiekrachtuitdaging. Ik zal beginnen met misschien het the usual suspect, top van de lijst, de overheidsfinanciën. Ondanks een zekere verbetering in 2022, en ik zal niet tot in de details gaan, maar die te maken heeft met een aantal one-offs en tijdelijke factoren, zijn wij van mening met het planbureau dat het tekort zou opnieuw stijgen naar 5% en meer in de komende jaren. Dat is op zich gewoon en duidelijk onhoudbaar. Met zo'n niveau van tekort stijgt de schuld jaar op jaar, misschien minder snel nu dat wij een hoge inflatie hebben, dus een hoog nominale groei van het BBP hebben, maar op termijn is dat niet houdbaar. Met ook verschillen tussen de deelentiteiten in België, de situatie in het zuid van het land en Brussel is zorgwekkend. En dus het is relatief eenvoudig. Wij hebben een plan nodig om het tekort onder controle te krijgen. Het moet niet in 1 of 2 jaar gebeuren, maar het moet wel gebeuren. Les mesures énergétiques ont dit qu'elles ont été peu ciblées. Je vais un tout petit peu nuancer le propos. D'abord, les économistes en général disent quand vous prenez des mesures, que vous avez peu de moyens budgétaires et que vous avez une inflation élevée, elles doivent être ciblées vers ceux qui en ont vraiment besoin. Parce qu'en fait, on veut ralentir d'une certaine manière la pression sur les prix en menant une politique monétaire d'abord de normalisation puis restrictive pour calmer un petit peu l'économie. Si de l'autre côté, les autorités budgétaires rajoutent de l'huile sur le feu, ben d'abord on va dans la direction opposée et puis on va devoir faire plus en matière d'augmentation des taux d'intérêt. Donc on a toujours tenu le discours de manière assez systématique sur l'ensemble du continent. S'il y a une réponse budgétaire, elle doit être temporaire et ciblée et en fait aussi relativement rapide parce que si c'est une urgence sociale, il faut évidemment le faire. On considère que les mesures ont été globalement peu ciblées en Belgique. La grosse mesure phare qui a été ciblée, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'élargissement du tarif social, qui était probablement une bonne mesure en période de crise et qu'on pouvait prendre dans l'urgence. Ça donne des mauvais signaux en termes de coût de l'énergie, mais la mesure a déjà été renversée en 2023, donc vraiment pas de critique en la matière. La baisse de la TVA sur l'énergie, elle a été fort critiquée. Certains économistes ont été même très actifs dans la presse pour la critiquer. Je crois qu'en Belgique, et ça nuance un peu mon propos sur qui en a bénéficié, je crois qu'en Belgique, il faut probablement en partie l'interpréter comme une mesure en faveur des entreprises. Alors, à court terme, quand la mesure est prise, c'est en faveur des ménages, mais un an après indexation automatique des salaires, comme la baisse de la TVA a ralenti l'inflation, en fait, c'est une mesure qui a été en partie prise envers les entreprises. Et on sait que c'est plus difficile de cibler les aides aux entreprises que les aides aux ménages, parce que les aides aux ménages, ben, c'est assez simple, on va le faire sur la base du revenu. Aider les entreprises qui sont en difficulté, ben, si elles sont condamnées, qu'elles sont en difficulté pour d'autres raisons, on ne va pas vouloir les sauver toutes, on ne va pas tenir le même revenu avec les ménages. Et donc c'est plus compliqué, on a parfois des mesures qui sont moins ciblées. Bon, on peut revenir là-dessus. C'est probablement pas la meilleure mesure qui a été prise, mais encore une fois, je crois qu'en Belgique, il faut l'interpréter plutôt comme une mesure en faveur des entreprises. Alors, je reviens sur les... Enfin, c'est dans la continuité, évidemment. On a pris des mesures en 2022, peut-être ici et là un peu trop. On a surcompensé, par exemple, les ménages riches ou autres, mais soit. Où est-ce qu'on en est en Belgique ? Ben, c'est simple, on est parmi les moins bons de la classe. Qu'on regarde le niveau de déficit, qu'on regarde le niveau de dette, on est parmi les moins bons de la classe. Et on est en compagnie qui n'est pas très agréable. On est proche de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce. Ce n'est pas tout à fait là qu'on aimerait se trouver. Est-ce que ça va dire qu'on va faire faillite demain ?
Et là, on a repris simplement le constat qui est fait par la Commission européenne, qui dit à court terme, on ne voit pas des risques majeurs, pour toute une série de raisons. On a une économie résiliente, on a un potentiel de croissance qui reste positif, mais à moyen et long terme, le feu est clairement rouge. Et donc, ça confirme simplement ce que j'ai dit. Il faut absolument un plan pour s'attaquer au problème. Le dire, c'est facile. Le faire, c'est plus compliqué. Et on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un appétit énorme en la matière. Celui qui a fait son retour, le membre de la famille qui était parti en voyage et puis qui revient dans la liste des invités aux problèmes structurels, c'est clairement le problème de la compétitivité des entreprises. Ik heb het al gezegd, door de automatische loonindexering hebben wij in België een snelle vertaling van inflatie, energieinflatie in verhoging van de lonen. Op zich is dat geen enorm groot probleem als het ook plaatsvindt in de buurlanden. En wat we moeten vaststellen is dat de werknemers hebben in de buurlanden een belangrijk verlies van koopkracht moeten incasseren, rond de 5%, 4 à 5% van de verlaging van de reële verloning. En dat creëert een kloof tussen België en de buurlanden met een verslechtering op 2 jaar van onze concurrentiekracht van rond de 5 à 6%. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Encore une fois, en début d'année, j'ai dit, peut-être que les entreprises ont une certaine capacité à absorber le choc. Quand l'inflation s'est accélérée, j'ai vraiment eu peur qu'on ait une dérive des prix et des salaires. Et même si, à un moment donné, dans les autres pays, on aurait finalement eu aussi une indexation non automatique des salaires, un rattrapage, si on avait une spirale prix-salaire en Belgique, on aurait simplement dérivé en salaire et en prix, et donc on aurait eu toutes les valeurs nominales en fait, qui auraient dérivé par rapport aux pays voisins. C'est ça qu'il fallait éviter. On peut être plus rassurant maintenant, mais on a quand même fait des simulations, parce qu'en 2022, les entreprises ont relativement bien protégé leurs marges, et donc on avait le début d'une spirale prix-salaire. Si on utilise la calibration classique de nos modèles, on voit que l'inflation baisse rapidement, et donc la formation des salaires en Belgique par rapport aux pays voisins. Si par contre les entreprises, parce qu'elles ont des pouvoirs de marché, et en fait, de manière assez ironique, parce qu'elles ne trouvent pas des travailleurs, et donc elles ont l'impression qu'elles peuvent augmenter leurs prix, puisque de toute façon, elles ne savent pas toujours augmenter la production. Si on fait cette analyse de sensibilité avec des marges des entreprises qui réagissent plus vite aux augmentations de salaires et qui essayent de préserver leurs marges, alors on aurait eu, ou on aurait, une spirale prix-salaire en Belgique. En fait, si on regarde l'inflation au début de l'année 2023, on a eu des mauvaises surprises en matière d'inflation sous-jacente et des bonnes surprises en matière d'inflation du fait de la baisse des produits pétroliers, des produits gaziers. Pardon. Ça me fait dire que si les prix du gaz étaient restés élevés, on aurait probablement été un peu plus proche, en tout cas on se serait dirigé vers la courbe verte, plutôt que de rester sur la bleue. Aujourd'hui, on est proche de la bleue, essentiellement parce que les prix du gaz sont à peu près 3 fois moins élevés que ce qu'on avait dans notre projection. Et donc, ça reste certainement, pour conclure, à monitorer. On est une situation meilleure qu'attendue, mais qui n'est pas encore totalement sous contrôle. Le fameux taux d'emploi, l'objectif de taux d'emploi de 80%, je vais le faire assez court, mais il faudrait créer 532 000 emplois, et on n'a que 462 000 demandeurs d'emploi chômeurs en Belgique. Donc ça veut dire que si on veut arriver à l'objectif de 80%, il faut qu'il y ait plus de gens qui se présentent sur le marché du travail. Donc c'est aussi, et certainement en Flandre même, principalement un problème de taux de participation qui est trop faible. Donc on a moins de gens qui travaillent en Belgique, on a moins de gens qui se présentent sur le marché du travail. La Flandre est au plein emploi. On ne peut évidemment pas en dire de même en Wallonie et à Bruxelles, même si la tendance est légèrement meilleure que dans le passé. Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, un tout petit peu m'appesantir sur l'enjeu climatique. On en parle en général pas beaucoup à la Banque nationale de Belgique, mais on commence vraiment à essayer de se renforcer en la matière pour mieux comprendre l'enjeu, et il va rester avec nous pendant les 30 ans qui viennent, donc ce n'est pas la dernière fois que je vous en parle. Premier message, c'est simplement de vous dire que on n'y est pas. On devrait réduire nos émissions d'à peu près 2,5% par an en Europe par rapport à la situation actuelle. On les réduit de 1,3%, ça va dans la bonne direction, mais c'est trop lent. À ce rythme-là, on n'arrive pas à zéro en 2050. Alors, on pourra en rester là
Et effectivement, quand vous lisez, là je vais un petit peu philosopher, quand vous lisez les médias, et je philosophe plus facilement en français qu'en néerlandais, donc si vous permettez, je vais être un peu plus francophone sur le coup. Quand on lit les médias et quand on parle avec nos enfants, j'ai des enfants qui ont au début de la vingtaine, on met énormément l'accent sur les comportements individuels. Mais c'est intolérable, il y a encore telle entreprise à tel endroit qui utilise des couverts en plastique. Et je suis le premier à dire que si on peut éviter les couverts en plastique, c'est très bien, on n'en a plus à la banque. Soit. Le problème, c'est que mettre l'accent sur des choses comme ça, à la fois très concrètes mais très symboliques, ça ne va pas permettre de résoudre le problème. Je pense en toute franchise que la partie comportementale par rapport à l'enjeu climatique, ça va peut-être représenter 20% de l'effort. Et chez certains, ce sera plus que 20%, chez certains, ce sera moins. Mais vous savez, l'enjeu climatique, on en parle depuis longtemps. Il a quand même fallu attendre la guerre en Ukraine et la forte augmentation des prix du gaz pour que notre consommation de gaz baisse de 20%. Donc tous les gens qui nous disaient « Pour moi, l'enjeu climatique, c'est super important, je fais vraiment tout ce que je peux faire », eh bien, ils ont fait encore beaucoup, beaucoup plus quand les prix du gaz ont augmenté. Et même avec cette augmentation des prix du gaz, les gens n'ont pas arrêté de consommer du gaz, on a réduit notre consommation de 15 à 20%. Donc je crois que dans la proportion de ce qui va venir comme solution de la technologie et des comportements individuels, ce sera peut-être à peu près 20% comportements individuels et 80% technologie. Mais le débat dans les médias et à la maison et avec nos enfants, c'est 80% comportements individuels, souvent sur des choses relativement symboliques, et 20% technologie. Et c'est là que... Alors ici, ça n'a pas fonctionné parce que vous êtes des gens éduqués en matière économique, mais c'est là que j'ai quand même présenté le rapport à plusieurs endroits. Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2022 qui est un game changer en Europe? Et je vois en général des regards à moitié sidérés, il s'est passé quelque chose d'important en 2022. En décembre 2022, et je crois quand on fera l'histoire de la réussite ou non des politiques climatiques en Europe, on passera par décembre 2022, probablement, certains le disent, comme le moment où il y a eu un vrai game changer en Europe et on a vraiment décidé d'y aller pour aller à carbone zéro. C'est l'extension et l'approfondissement du Fit for 55 et du système ETS en Europe. Et alors je demande, c'est quoi le système ETS? Allez-y, soyez honnêtes, qui sait ce que c'est le système ETS en Europe? Lève la main. Johan, tu dois lever la main, quand même. Donc, en général, effectivement, quand je fais ça, j'ai à peu près 5% des gens, et je suis généreux, qui disent qu'ils savent ce que c'est. Ici, c'est plus, parce que simplement, vous êtes, en tout cas certains d'entre vous, plus éduqués en matière économique. Mais donc, c'est problématique. On a un système qui est unique au monde. On a aujourd'hui un prix du CO2 de 100 euros en Europe pour l'industrie, pour les transports internes, etc. Les transports aériens, pardon, internes. L'Europe a décidé de créer un système de TS2 pour couvrir, en fait, essentiellement le bâti, mais c'est le chauffage, pour couvrir les transports individuels, pour couvrir les transports par camion. Il se passe énormément de choses. Le rythme d'innovation en matière de réduction des émissions de CO2 est vraiment très important. Mais quand vous parlez avec vos enfants, ils vous disent que c'est catastrophique, que la planète va mourir. D'ailleurs, il y en a toute une série d'entre eux qui ne se mobilisent pas vraiment sur le marché du travail parce que de toute façon, la planète va mourir. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet et sur le fait que le fait d'avoir du choix sur un marché du travail tendu n'est pas toujours un cadeau pour la jeunesse, qui est souvent un peu perdue face à ses choix. Donc, on doit, je crois, absolument changer de narrative, sur le débat climatique. Beaucoup plus parler des enjeux technologiques et des enjeux de policy pour voir comment on y arrive, et un peu moins se cantonner sur des discours en fait, qui sont stigmatisants, où on regarde son voisin et on regarde, tiens, tu manges la viande de bœuf, et toi, tu prends l'avion, etc. On devra tous collectivement ajuster nos comportements, et probablement qu'un de ceux pour lesquels on devra se plus s'ajuster, c'est au niveau de la consommation de bœuf, parce que là, on n'a pas vraiment de bonne solution. Mais pour tout le reste, on n'a pas le choix. Si on voulait réduire nos émissions de 20%, on pourrait le faire en changeant nos comportements. On doit aller à zéro. Ça veut dire qu'on doit avoir des avions qui sont CO2 neutres. Je le dis volontairement, des avions. On continuera à prendre l'avion, mais ce sera des avions
qui n'émettent pas de CO2. On va continuer à se déplacer en voiture, ce sera des voitures sans doute électriques. On va continuer à se chauffer, ce sera surtout des pompes à chaleur. On va continuer à produire toute une série de biens, dont du pétrole, de l'acier, du ciment, etc., dans l'industrie. Il faudra juste que ça se passe sans émettre du CO2. Et pour pratiquement tout ce que je viens de dénoncer, on a déjà soit des solutions qui sont matures et même parfois moins chères que les technologies polluantes, ou des technologies qui commencent à être mises en œuvre et dont on sait qu'elles sont relativement abordables. Et alors, il y a certains domaines dans lesquels on sait que c'est plus compliqué, notamment la fermentation entérique, donc en gros, ce qui sort des vaches. Et là, on n'a pas vraiment pour l'instant de bonnes solutions. Notre estimation, et quand je dis notre estimation, en toute franchise, c'est mon estimation propre, parce que la banque n'a pas d'estimation officielle, mais j'ai déjà osé le dire, sur base de ce que j'ai lu dans la littérature et en échangeant avec certains, c'est tout à fait en ligne avec les prévisions, par exemple, du FMI. La transition climatique devrait nous coûter à peu près 0,1% de croissance d'ici à 2050. Donc 0,1% d'ici à 2050, à peu près 3,5% du PIB d'aujourd'hui, 2,5% du PIB 2050, c'est exactement le coût, enfin, ou c'est très proche du coût du choc énergétique de 2022. Donc l'enjeu climatique, d'un point de vue économique, en termes de coût, c'est le choc de 2022 étalé sur 30 ans. Choc de 2022, on n'a même pas eu de récession. Donc c'est faisable, c'est plus que faisable, mais il faut mener des politiques qui sont pragmatiques. Et là, il y a un vrai risque, c'est qu'en Europe, on est très très ambitieux, mais il y a une partie de la politique qui est menée, qui est parfois super ambitieuse, et qui exige d'aller vers des technologies qui sont parfois dark green, comme l'a dit un de mes collaborateurs, quand on regarde notamment la taxonomie. Par exemple, si vous avez une maison qui n'est pas bien isolée, mais vous avez une pompe à chaleur et des panneaux solaires, du point de vue de la taxonomie, ce n'est pas vert, parce que vous n'êtes pas suffisamment isolé. Et alors les banques vont devoir reporter là-dessus et vont devoir à un moment donné peut-être dire à quelqu'un qui a des panneaux solaires et une pompe à chaleur, ta maison n'est pas assez bien isolée, on a un problème, on commence à être mis sous pression par les militants verts. Donc l'autre point, c'est qu'on va devoir utiliser par exemple de l'hydrogène, avec le Meerwasser zum Motor gebruiken. Mais in de komende jaar heel weinig groen waterstof kunnen produceren op basis van hernieuwbare energie. Gewoon omdat de hernieuwbare elektrische energie zal gebruikt worden om de elektrificatie van onze economie. Dus het zal maar op het einde van de periode dat wij genoeg openlijk groen elektriciteitsproductie hebben om groen waterstof te produceren. Maar ondertussen hebben wij geen infrastructuur voor waterstof. Dus wij moeten meer flexibel zijn in de transitie, om toe te laten, zelfs misschien grijs waterstof te gebruiken, zeker blauw waterstof, qui vient du gaz naturel dont on a retiré le carbone, avec de la séquestration de carbone. Si on n'autorise pas ça, on va avoir un problème de poule et d'œuf, wij zullen de infrastructuur niet kunnen ontwikkelen. Dus hier en daar zullen wij een beetje meer pragmatisch moeten zijn. Wij zijn in België. De impact van meer waterstof en carbon capture te moeten gebruiken is op het einde van de rit een troef voor België en voor de haven van Antwerpen, omdat de infrastructuur van carbon capture en waterstof is een vrij zware infrastructuur en die zal eerst concentreren op de haven en de grote haven. Donc, quelqu'un qui a un site de production industrielle qui utilise du gaz naturel aujourd'hui, au milieu de nulle part, quelque part en France ou en Allemagne, il n'y a pas de solution évidente pour amener de l'hydrogène verte ou pour réaliser de la séquestration de carbone et transporter le carbone sous forme liquide, le CO2, vers la mer, ça va être assez compliqué. Anvers sera probablement un des premiers sites d'Europe où on développera cette technologie ou cette infrastructure. Et donc, c'est plutôt un atout pour le développement de l'industrie de notre pays. Maintenant, si l'Europe a décidé de donner l'exemple dans le monde avec une énergie qui sera plus chère et plus verte, je crois que les formes de... Ben disons que les industries qui sont très, très intensives en énergie et qui n'ont pas un niveau de valeur ajoutée particulièrement élevé, il faudra probablement accepter qu'il y ait une partie de cette production qui s'en va. On n'aura plus en 2050 de raffinage de pétrole en Europe, puisqu'on n'utilisera a priori plus de pétrole.
et je vais en rester là sur le climat. Les conclusions, je les ai données en introduction. Au final, ça s'est finalement bien passé en 2022. Quand on regarde les chiffres de croissance économique, les chiffres d'emploi, on a beaucoup mieux résisté qu'on ne s'y attendait. C'est évidemment un environnement compliqué à gérer pour la politique monétaire, mais je dirais pour le couple politique monétaire, politique budgétaire, parce que pour l'instant, on ne va pas dans la même direction. Et on a évidemment tous les enjeux structurels qui restent. Et ça, en soi, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, parce qu'on a fait peu de progrès en la matière au cours des dernières années. Et je vais en rester là, vous remercier. Écoutez, Lully, Zeker Bedanken, il y avait pas mal de monde aujourd'hui, et ça fait plaisir. C'était ma dernière présentation, donc vous êtes les dernières victimes.